Bonsoir. Bonsoir. Alors première question, pourquoi cette volonté de dispenser ce stage ici à Mayotte Est-ce une demande particulière, un besoin particulier Oui, euh, c'est par le président Tostao, qui est très actif pour le Krav Maga. Donc il nous a fait la demande pour venir former des, vraiment des spécialistes de Krav Maga pour la fédération, car actuellement il n'y a aucun vraiment, il n'y a pas de spécialiste diplômé Krav Maga sur l'île. Donc le but est de leur faire cette formation d'instructeur. Et ensuite, il y aura un examen vendredi et ces gens seront certifiés et reconnus par le ministère Jeunesse et Sport. Alors ce stage a commencé aujourd'hui, comme on oui. l'a euh, indiqué. Donc vous avez pu rencontrer les différents amateurs de, de combat, des, oui. des, des combattants et les instructeurs. Comment s'est passée cette euh, première journée Avez-vous échangé Ça se Bien sûr, fait... très très bien. Ce sont des gens qui, sont déjà, qui ont déjà un passé d'arts martiaux qui ont voulu se spécialiser dans le Krav Maga. Et ça s'est très très bien passé. Ce sont des gens qui veulent ouvrir des sections et développer le Krav Maga dans l'île. Tout à fait. D'ailleurs, on rappelle que le Krav Maga euh, est présent et fonctionnel à Mayotte euh, depuis un an. Oui, sous l'effigie de Mayotte Krav Maga, où il y a une section. Euh, c'est une section qui est officielle de la fédération et le but, c'est de former des instructeurs et développer le Krav Maga pour l'île exactement oui et parmi euh, à, 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 euh, à partir de cette première journée vous avez vu quelques potentiels justement un fort potentiel par rapport à en oui. vue de cette euh, oui 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 ce sont des gens qui sont volontaires déjà donc déjà quand on est volontaire on ne peut que être positif et on a parlé surtout technique et développement je suis aussi le directeur technique puisque j'habite à l'île de la réunion donc, on a des coopérations avec euh, Mayotte et le but est de vraiment former. Et par euh, ces formations, euh, pour la journée de la femme, euh, demain, nous allons organiser à l'Orange Bleu, en partenariat avec Mayotte Krav Maga, un stage de self-défense pour le personnel féminin. Donc, tout le monde euh, ben, de Mayotte est invité, de 17h30 à 18h30 demain, où il y aura un travail de préparation physique un travail de technique d'initiation de, à la self-défense et un travail de préparation mentale. Et vendredi, euh, sur la demande du capitaine Ahmada de la gendarmerie, nous ferons un cours d'initiation de Krav Maga pour les cadets de la gendarmerie nationale. Alors on sait que le Krav Maga, c'est une méthode de combat qui met l'accent sur l'apprentissage, mais aussi sur le développement des capacités d'autodéfense. Dans quelles circonstances concrètes un individu serait amené à le pratiquer au quotidien Alors le but, c'est on ne fait pas du Krav Maga pour se battre. Au contraire, c'est pour savoir apprendre à gérer une situation et à intervenir vraiment en dernier moment. Voilà parce que le kramaga est basé sur des techniques de la simplicité, la rapidité, l'efficacité et le plus important la maîtrise de soi. Beaucoup de demandes, nous avons je vois à l'île de la Réunion et nous allons le faire ici ouvert des sections enfants, des sections féminines et des sections adultes. Beaucoup d'enfants, j'interviens dans des écoles au sein de l'île de la Réunion à cause des problèmes de violence. Voilà. Et nous avons pratiquement une, une quarantaine de jeunes qui viennent euh, pratiquer le Kramaga. Bien sûr, ce n'est pas le même Kramaga qu'avec les adultes. Il y a un travail pédagogique et on leur apprend à se défendre et pas à se battre. Voilà. C'est le but du Kramaga. Et d'ailleurs, vous parlez de La Réunion confrontée à des problèmes de violence. Exactement. Mayotte également n'est pas en reste. c'est pour ça. Voilà. Donc, on travaille aussi avec des, des boîtes de sécurité qui viennent nous voir on a aussi du personnel hospitalier. Qui viennent beaucoup aussi à cause de ce problème d'agression. Et nous travaillons aussi dedans le travail de préparation mentale, puisque je suis aussi préparateur mental, où j'ai des sportifs que j'entraîne. Je vois Helvetia, la réunionnaise de l'équipe de France de karaté, où je suis son préparateur mental. Et des sportifs merci. aussi professionnels. Jérôme Roesch, merci d'avoir accepté. Je vous remercie accepté. pour l'accueil. Merci à vous. Et merci beaucoup.